Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe, l'animatrice. Et à l'émission Émergence, on reçoit des gens qui partagent leurs talents, leurs qualités, leurs bons messages, leurs bons vouloirs avec les gens de leur communauté pour faire une différence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Suzanne Lapointe. Non, on n'est pas parentés, on va en parler tantôt. Et elle a tellement de titres que je pourrais m'essouffler à les dire. Conférencière, retraitée de l'Université d'Ottawa, enseignante... proche aidante et même célébrante. Et donc, elle m'a dit, Sylvie, le titre de notre émission aujourd'hui, ça va être « Malgré les cheveux blancs, on peut avoir la vie en couleur ». Oui, en effet. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Sylvie. Alors non, on n'est pas parents, mais non. Tout comme, hein, parce que tu connais ma famille depuis quoi, une quarantaine d'années? Oui, en effet. Oui. Et donc, ça fait comme si tu fais partie du réseau agrandi de ma famille. Bien, voilà. Alors, nous sommes des lapointes de cœur. C'est ça, une lapointe de cœur. Oui. Alors, pourquoi? Pourquoi tu as choisi le titre « Malgré les cheveux blancs, on peut voir la vie en couleur » Bien, c'est parce que d'abord, vieillir, c'est un défi. Je suis bien d'accord. Oui. Et quand on est rendu aux trois quarts de siècle, c'est encore un plus grand défi. J'ai difficile à croire. Moi, j'ai l'air toute jeune. Merci. Mon cœur est jeune. Oui. C'est ça qui est important. Oui, en effet. Alors, il faut trouver le bonheur dans vieillir. Et puis, premièrement, le mot vieillir, il y a le mot vie là-dedans. Hé, j'aime ça! Alors, il faut donc vieillir en sachant que ce mot-là doit nous guider pour trouver le bonheur en vieillissant. Je trouve que la vie s'occupe déjà assez de défraîchir quelques parties de notre corps malgré nous. Oui, mais on va passer les commentaires. Personne ne peut défraîchir ton esprit à moins... C'est bien vrai. À moins d'une maladie, quelque chose comme j'allais ça. Dire. Oui. Alors, moi, je dois dire que c'est pour ça que j'ai apporté plusieurs chapeaux. Bien, je vois ça, j'aimerais. J'aimerais que tu en essaies un, Sylvie. Oui, bien, j'aimerais ça, mais parle-moi de tes chapeaux, justement. Bien, est-ce qu'ils représentent différentes choses? Parce qu'en facilitation, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la technique de Edward de Bono, des six chapeaux. Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. OK, alors j'ai donné des cours là-dessus. Ah oui? Puis justement, le chapeau noir, c'est le chapeau critique et négatif, mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qu'il veut dire pour toi. Non, pour moi, le chapeau noir, ce qu'il représente en ce moment dans ma vie, c'est plus parce que, comme tu l'as dit tantôt, je suis célébrante. Oui. Alors évidemment, je rencontre des familles qui sont endeuillées pour préparer une célébration de vie de la personne qui est décédée. Mais tu sais, quand on rencontre des familles qui sont endeuillées, c'est important pour que moi, en tant que célébrante, j'ai un cœur joyeux, sans exubérance, évidemment, mais que les gens sentent que s'ils sentent ma joie de vivre à quelque part, ça les rassure. Oui, c'est contagieux, dans le fond. Oui. Les émotions, que ça soit positif ou négatif, que ça soit de la colère ou de la joie, c'est contagieux. Exactement. Alors, ton chapeau noir te ramène un petit peu à ton rôle de célébrante. Mais parle-moi de ça. Comment tu as décidé un jour d'être célébrante? Bien, j'ai eu le plaisir, je dois dire, de travailler pour la coopérative funéraire de l'Outaouais. Ils cherchaient des conseillers aux familles. Okay. Alors, j'ai eu une formation, mais j'ai réalisé qu'être conseiller aux familles, c'est très beau. C'est un très beau rôle. C'est très demandant aussi. Mm-hmm. C'est très précieux. Parce qu'ils vivent un deuil. Parfois, c'est très intense comme émotion. Très intense, évidemment. Mais sauf que ça prenait trop d'heures dans ma journée. Okay. Je me suis posé la question à savoir... Est-ce que je me cherche à mon âge un travail à temps plein ou est-ce que je veux plutôt faire autre chose? Et c'est mes superviseurs qui m'ont dit, tu devrais devenir célébrante. Et lorsque j'ai eu un mentor, et lorsque j'ai assisté à quelques célébrations de vie, c'était comme, il y a une mission pour moi. Il y a là-dedans. Un oui intérieur. Il y a un oui intérieur. Je l'ai senti, je l'ai voulu. J'ai commencé cette formation-là en réalisant que c'est ce que je voulais faire, j'espère, pour beaucoup d'années, parce que j'ai beaucoup de. C'est valorisant, mais c'est surtout le sentiment d'aider l'autre aussi qui prime, je dirais. Alors, depuis ça, j'ai commencé, la première célébration de vie que j'ai faite, c'était le 7 janvier, et j'en ai presque 50 de fait. Déjà 50? Oui.
Oui. Mais là, tu disais que tu ne voulais pas le faire à temps plein. C'est presque du temps plein. Bien, je dois te dire que ce qui est beau de cette, formation-là, mais ce truc... J'aime pas se rappeler ça un travail parce que c'est pas un travail. Cette mission-là, c'est que c'est comme en trois volets. Premier volet, je rencontre la famille pour préparer la célébration de vie et j'essaie toujours d'être à la hauteur de leurs attentes parce que c'est leur moment à eux autres. C'est leur, la dernière chance qu'ils ont de dire un au revoir à la personne aimée. Le deuxième volet, eh bien, je suis à la maison à 5h30 du matin, en jaquette, avec mon petit café, à mon ordi. 5h30! Mais t'es vaillante, Suzanne! C'est matinal. OK. C'est tout. Et alors, je prépare la célébration. Oui. Et le troisième volet, bien, c'est le moment mémorable de la célébration de vie elle-même. Mm-hmm. Alors, j'aime ça parce que c'est pas une journée entière. Oui. Non? Ça se divise en trois parties. Et je sens que je contribue quelque chose. Moi, je positif. Suis sûre. Ça demande beaucoup d'empathie, tu l'as. Ça demande beaucoup de compassion, je le vois. Ouais. La forme, est-ce qu'il y avait une formation? Bien, j'ai eu un mentor, un célébrant professionnel, mais je dois te dire que peut-être que... C'est peut-être un... c'est drôle de dire ça, mais c'est comme le nirvana de tout le cheminement de ma vie, parce que j'ai été dans l'enseignement, dans la formation, et comme conférencière. Mm-hmm. Alors, cette mission-là, c'est comme si ça englobait tout ce que j'ai fait depuis que j'ai fait un changement de carrière. À l'âge de 38 ans, si. Oui, en si effet. Je oui. OK, mais j'aime ça, hein, c'est vrai, parce que je pensais à ça. Si j'essaie d'expliquer là où je suis maintenant, les choix que j'ai faits et le parcours, je serais capable d'expliquer, j'ai fait telle rencontre, ça m'a amené à tel emploi, ensuite je me suis intéressée à telle chose, j'ai fait telle formation, ça m'a amené à telle chose. Mais si j'aurais essayé de le faire à l'âge de mes 23, 25 ans, là, tu sais, quand tu gradues l'université, tu dis, OK, c'est quoi mon chemin? Ça aurait été impossible d'imaginer. C'est ça. Et donc là, c'est la culmination, c'est ça? La culmination de tous tes apprentissages, de toutes tes expériences de vie t'amène à être célébrante. Oui, je crois que oui. Puis, et non seulement ça, mais je pense qu'en tant que célébrante, je sens que les gens voient mon intégrité, mon naturel, mon écoute, comme tu disais tantôt, mon écoute. Et je pense ce qui fait ma force comme célébrante, c'est que je suis capable d'entrer en compassion avec les personnes qui sont endeuillées, mais je ne fusionne pas avec leur émotion. Ça, c'est peut-être ta pratique en tant que prochain aidante. Oui, parce que c'est facile de fusionner avec les gens qui souffrent dans notre entourage. C'est vrai. Mais tu as dû pratiquer l'espèce de créer cette distance-là pour te permettre de prendre soin de toi et de prendre soin de l'autre. Exactement. Tu l'as bien ciblé et résumé, en effet. Et quand je regarde les chapeaux qui représentent le cheminement d'une vie, je ne peux pas faire autrement j'ai apporté juste un aperçu des... Je suis une personne qui croit beaucoup que quand on veut avancer dans la vie, il faut d'abord cheminer avec la peur. Oui. Surtout si on a un manque de confiance. Et moi, je pense que j'ai été longtemps dans ma vie à avoir un manque de confiance. Cheminer avec la peur, c'est profond, ça. Oui. Dis-moi ce que tu en penses. Cheminer avec la peur, pour moi, ça veut dire ravaler son orgueil et puis foncer quand même si on a peur et si on a un manque de confiance. Mm-hmm. Et je crois que ça a été mon gros bobo dans ma vie pendant bien des années. Le manque de confiance en soi. Mais c'est vrai pour plusieurs d'entre nous. Oui, et surtout chez les femmes, je pense. Un manque de confiance. Et le manque de confiance nous paralyse. Mm-hmm. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter puis se dire, et c'est souvent ce que j'ai dit à mes propres enfants, mon fils qui a 46 ans maintenant, ma fille qui a 42 ans, je me souviens de leur avoir souvent dit, rappelez-vous d'une chose, vous n'avez pas le contrôle sur ce que les gens vont dire ou penser de vous. Mm-hmm. Si vous savez que vous avez de l'intégrité, que dans votre tête et dans votre cœur... Les intentions sont bonnes. Les intentions sont bonnes,
Allez de l'avant. Mm-hmm. Laissez-vous accompagner par la peur. Mm-hmm. Ah, j'aime ça. OK, tu vois, puis je suis contente que tu me l'expliques parce que j'aurais interprété ça autrement. Donc, ah, dans oui? le fond, c'est un petit peu « feel the fear and do it anyways ». Oui, oui. J'ai un aimant sur mon frigo qui dit ça. Ah, à chaque jour, de ressentir la peur, mais de le faire tout de même. Exactement. Puis d'ailleurs, un auteur que j'ai lu il y a très longtemps, ça fait longtemps, Zig Ziglar. Je sais oui, pas si... je connais. Tu connais? Oui. À un moment donné... Oui, notre bibliothèque se ressemble, Suzanne. Ah bon? OK. Je pense que Zig Ziglar avait dit un jour que la définition du word « fear », F-E-A-R, mm-hmm. voulait simplement dire « false evidence appearing real ». J'ai déjà entendu ça. Oui, sûrement. Des évidences qui sont fausses, qui nous paraissent qui nous comme apparaît, réelles. Exactement. Puis l'autre chose que je pense qui est vraie par rapport au courage, puis dans la façon que tu l'expliques, c'est que quand on ressent cette peur-là, que ce soit une incertitude, que ce soit un manque de confiance, que ce soit l'inconnu qui nous interpelle, oui. Le mot « courage », ça vient du mot « cœur ». Avoir du cœur au ventre. Et donc, il n'y a pas de courage, il n'y a pas de peur. Ça ne s'appelle pas le courage. Exactement. Donc, c'est de vivre avec du courage. Oui. Puis un autre bon mot aussi, où j'adore ça. Des fois, il y a des petits mots qu'on peut trouver, qu'on peut coller à notre frigo, oui. mais qui peut nous inspirer, qui peut nous aider à aller de l'avant. Le mot « enthousiasme ». Oui. Puis d'ailleurs, j'ai un livre ici qui s'appelle lequel? L'enthousiasme fait la différence. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. OK. De Norman Vincent Peale. Oui, ça, je connais, oui. Bon. Alors, quand on dit l'enthousiasme fait la différence, ce que j'aime du mot enthousiasme, ça vient du mot son origine est grecque, qui veut dire « enthousiasmus mm-hmm. », qui veut dire « transport divin ». L'enthousiasme… Transport divin? Transport, c'est ça que ça veut dire. Wow! Enthousiasme. Oui. Transport divin, qui veut dire qui nous permet de faire les choses, pas de façon excitée. Il y a une différence à être mm-hmm. excité et être enthousiaste. Parce qu'être enthousiaste, c'est simplement… un calme de l'esprit qui nous permet de faire les choses, d'effectuer n'importe quoi, mais avec zèle, avec ardeur, avec allégresse, avec joie. C'est ça que ça veut dire, de l'enthousiasme. Alors, quand on veut s'aider, quand on n'a pas confiance et puis qu'on manque de courage ou qu'on veut avancer dans la vie, qu'on veut s'épanouir, mm-hmm. n'est-ce pas? Alors, lire des livres comme ça, ça peut vraiment nous aider. Je suis d'accord. Puis ça, c'est une qualité que tu as, ma chère Suzanne. Tu es une femme enthousiaste. On se prépare à la pause. D'accord. Et à notre tour, on continue à explorer tes fameux chapeaux oh, oui? et ta belle collection de livres. D'accord. Alors, revenez-nous. On va à la pause et Émergence vous revient dans quelques instants. On est de retour avec l'enthousiaste Suzanne Lapointe qui nous parlait justement du pouvoir des mots. Et tu nous parlais du livre de Norman c'est ça, qui parle de l'enthousiasme. Mais là, moi, je suis curieuse. On a plein de chapeaux ici en studio. Et d'ailleurs, tu es une femme qui porte beaucoup de chapeaux. J'adore les chapeaux. Mais non, mais pas juste les vrais chapeaux, les chapeaux, oh, les oui, rôles. En effet, hein? Proche aidante, et puis célébrante, et conférencière, et enseignante, etc. Tu en portes beaucoup de chapeaux. Alors, celui-là, tu me parles de celui-là. Si tu permets, je vais le porter. Je vais oui, parce que vraiment, je l'adore. Eh! Voilà. Mais tu as l'air d'une femme des années 30. Oui, c'est bien. C'est le Charleston style. Hein? C'est ça. C'est ça. Mais je dois te dire que je porte ce chapeau-là. Ça te va à ravir. Je porte ce chapeau-là lorsque je fais du bénévolat pour l'appui outaouais. Ah oui, mais là, explique-moi. Je ne comprends pas pourquoi le chapeau puis l'appui outaouais. C'est parce que, vois-tu, quand je fais du bénévolat pour l'appui outaouais, si nous sommes à un kiosque, par exemple, mm-hmm. On espère que les gens s'inscrivent à l'info, ce qu'on appelle l'infolettre, qui est publiée 9 fois par année et dans lequel les gens qui sont des proches aidants peuvent trouver plein d'astuces, de trucs, de conseils. Il y a toutes sortes de bons articles. Alors, évidemment, en ayant un chapeau,
d'ailleurs, que j'ai acheté au Salon de la femme il y a plusieurs années passées. Et que quelqu'un a fait. Une dame africaine, oui. Mm. Et si elle me voit aujourd'hui, je voudrais lui dire... Elle va être tellement fière merci. De son travail. Merci. Alors, ça attire les gens parce qu'ils me disent, vous avez donc un beau chapeau, oui. madame. Alors, ça me permet de leur parler de l'organisme de l'Appui Outaouais et de les inciter à s'abonner à l'infolettre pour de l'Appui Outaouais. Non seulement tes conférencières avec eux, mais tu essaies de recruter des nouveaux membres et des intéressés à l'infolettre. Voilà. Ben oui. Mais front, tu te dis vous. Alors, celui-là, le rose. Ben moi, il représente quoi, lui? Ben lui, je pense qu'on voit la vie en rose, malgré les cheveux blancs. On voit la vie en rose. On peut voir la vie en rose, on peut voir la vie en couleur. Est-ce qu'il me voit, celui-là? Oh, il est beau. Oui. Oh, Sylvie, ça te va très bien. Oui, apparemment que j'ai une tête à chapeau. Ah oh, oui, il voit très, très bien. Merci. Oh, regarde-le, il on est bien comme ça, hein? Oui. OK. Et puis, le bleu? Ben le bleu, mon doux, ben ça dépend. Peut-être que j'ai, tu vois, j'aurais peut-être mis ce chapeau-là avec... Okay, ça dépend comment je me sens. Tu sais, tu connais mon père, hein? Il est bon avec les métaphores et la poésie. Oui, OK, oui. Alors je vais m'essayer, OK? Parce que moi d'accord. aussi, je me débrouille. Oui. Je pense que toi, là, tu es capable de voir là, le ciel plein de possibilités. Hein? C'est comme le oui. ciel bleu. Oui, le ciel l'infini. Bleu. L'infini. L'infini. Oui. Et les nuages. Oui. Les nuages. Quand on voit des nuages dans le firmament, je trouve ça. Et moi, j'habite au 23e étage d'un édifice. Et je vois le soleil se coucher tous les soirs. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. Alors, je peux voir le firmament bleu tout à coup avec les nuages qui se transforment en toutes sortes d'animaux. Toutes c'est vrai, sortes de... quand on les observe. Hein? Ça, ça fait partie de vivre le moment présent. Bien, voilà. Sais-tu, t'es une femme qui est capable de, justement, t'es capable de voir, justement... qu'est-ce qui se dessine dans le ciel, mais ton ciel à toi aussi, puis le ciel de tes prochains? Bien, moi, je pense qu'on décide... On décide presque de notre destin, si... On décide de notre quotidien. C'est vrai. De notre quotidien. Mon père est décédé à l'âge de 96 ans, et il m'a dit un jour, puis j'espère que je le partage avec beaucoup de cœur, mm-hmm. il me disait, Suzanne, ne perds jamais ton cœur d'enfant. Laisse-toi émerveiller par les choses simples de la vie. Et chante de temps en temps. Et chante? Tu vas-tu me chanter une chanson? Non. Mais par contre, la conférence que je donne dans ces jours-ci, qui s'appelle « Rions, rions » pour vivre longtemps, okay. eh bien oui, à un moment donné, à la fin de ma conférence, je chante une petite chanson c'est que j'ai... Oh, c'est une chanson que tu as composée? Que j'ai composée. OK. C'est plutôt pour les personnes d'un certain âge, tu sais, comme quand tu te lèves le matin, puis tu regardes dans le cabinet, puis là, il n'y a rien, puis tu te frottes les mains, puis tu te frottes le dos, parce que... Alors, le refrain, c'est « Rions, rions ». Attends une minute, là, « Rions, rions, rions souvent, rions, rions souvent pour vivre longtemps okay. ». Mais à la fin, la morale de cette petite chanson-là, mm-hmm. c'est quand on se lève le matin, si tu veux pas, il faut que tu grouilles si tu veux pas que ça rouille. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a une émission sur les ondes Unique FM qui a exactement le même titre. Ah oui? Oui. Ah bon, puis ça met en vedette les personnes d'un certain âge qui se dévouent à toutes sortes d'activités, toutes sortes de plaisirs. Donc, le ciel bleu, le potentiel infini. Rose, et puis là, tu as un petit, petit jouet, là. Je sais pas trop c'est quoi. Ça, c'est pour se rappeler... Il ne faut jamais se prendre au sérieux. Il faut prendre la vie au sérieux, oui. mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Ah, ça, j'aime la distinction. Il faut prendre la vie au sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Mais non, c'est vrai. Parce et que... évidemment, quand je donne les formations pour le programme de retraite oui. qui est offert par le cégep de l'Outaouais, ou par le cégep Marie-Victorin, conjointement avec le cégep de l'Outaouais, j'utilise toujours ça lorsque les gens deviennent indisciplinés. Alors ça les fait rire. Hey, je devrais peut-être emprunter ton astuce, parce que je fais beaucoup de travail avec les groupes, et des fois, oui, on a des petits problèmes bon. Hein, de, alors, je de comportement. Quand ils entendent ça, les gens écoutent et ça les fait sourire. C'est mieux qu'une cloche. Ben, c'est mieux qu'une cloche, oui, c'est mieux qu'une cloche. Alors, c'est mon petit instrument pour faire sourire les gens. Parce que je n'ai pas l'article avec moi, mais il y a
un chroniqueur, animateur du nom de Jean-Pierre Gravel, qui s'est donné comme mission, on l'appelle le missionnaire, qui s'est donné comme mission de voyager à travers le Québec pour aller, pour découvrir des petits bonheurs. Et il dit, hey, j'aime ça! Il dit à un moment donné, dans la vie, on a tous nos drames, petits ou grands. C'est vrai. En effet. Et il dit, par contre, il n'a pas peut-être la recette miracle pour alléger les drames que les gens peuvent vivre, mais il dit, on a tous le pouvoir de donner un sourire. De donner un sourire. Pour... C'est vrai que c'est un beau cadeau, un sourire, hein? Et c'est pour ça que j'aime ça, donner cette conférence-là, Rions, Rions, pour vivre plus longtemps. Parce que le but de cette conférence-là, ce n'est pas un yoga du rire, là, non. Parce que je sais qu'il y a des ateliers oui, qui sont, très, c'est excellent. Mais moi, c'est simplement pour se rappeler, et surtout peut-être pour les personnes d'un certain âge, de se rappeler des bénéfices, des effets bénéfiques et précieux pour nous garder du rire ou même d'un sourire, pour nous garder en santé plus longtemps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, là, tu nous as apporté une pile de livres. On en a parlé de un. Tu aimes les mêmes auteurs que moi? Oui. Lui, Monsieur Dyer? Oui, oui. Mais j'aime beaucoup à chaque matin lire des pensées positives. Ah, regardons si, qu'est-ce que tu vas trouver là. Ah, bien, mon bon instant. Tu en as déjà identifié une? Ah, regardons. OK, on va voir, hein? Aujourd'hui, ce n'est pas le 7, hein? Non, c'est le 9. OK, mais je vais lire le 7. Okay. Plus vous ferez preuve de bonté envers vous-même et plus cette réaction vous viendra naturellement envers les autres. Hey, ça revient à ton message de s'aimer, puis de prendre le temps de rire, puis de ne pas se prendre trop au sérieux. Ouais. Puis de donner. De donner. De se donner aux autres. OK, alors on a parlé d'enthousiasme. Attends, moi, je vais faire le... D'accord, la performance par le plaisir. Ça, c'est Jean-Luc Tremblay. Tu connais pas? Non. Ah, bien là, je te recommande, surtout dans le genre de travail que tu fais. Regarde, propulser votre carrière et votre organisation vers des sommets inégalés. Ce que j'aime à un moment donné de ce livre-là, c'est qu'il dit, vous savez, des fois, les gens au travail, là, ils sont malheureux et puis là... Oui, j'en rencontre plusieurs dans mes sessions de coaching, etc. Bon, bien alors, il va falloir que tu leur achètes des lunettes jaunes. Jaune, pourquoi? Parce que si tu mets... Il raconte à un moment donné qu'il était... qu'il travaillait, je pense, pour l'impôt. Puis là, il était bien déprimé. Bon, c'est était, pas évident de travailler pour l'impôt puis d'être de bonne humeur. Il était à Chibougamau. Il était à Chibougamau. Puis il est entré dans une pharmacie. Puis il y avait un présentoir de lunettes. Puis il était bien ça déprime, cette journée-là. Puis à un moment donné, il a vu des lunettes. Tu sais, les lunettes avec une couleur, un peu une couleur jaune, Oui. As-tu déjà essayé? Oui, j'ai déjà vu. Alors, quand tu mets ces lunettes-là, il dit... Ça doit être il dit, d'un seul coup, tout s'est illuminé autour de moi, même la pluie. Et puis, sa perception a changé radicalement. Alors, un jour, il a raconté cette anecdote-là à un président d'une compagnie. Et le président a décidé d'acheter des lunettes jaunes pour tous ses employés avec une petite note qui disait, « Chers collègues, ces lunettes vous permettront de voir les situations d'une autre façon, surtout lorsque vous serez quelque peu déprimé. Prière de les porter afin de trouver les solutions appropriées avant de venir me rencontrer. Hé, hey, mais c'est bon comme stratégie, ça! Hein? Absolument! Puis là, je peux voir comment, justement, ton rire est contagieux. Il nous reste juste quelques minutes. Oui, d'accord. Si tu avais à en choisir un autre. Si j'avais à en choisir un autre, bien, évidemment, celui-là, c'est adorable, mais je choisirais celui-ci. Le médecin intérieur. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Eh bien, parce que ça touche l'importance de prendre soin des mots qu'on utilise dans la vie. Oui. Parce qu'il y a des mots qu'on utilise innocemment, inconsciemment, qui... Pour transmettre un message positif, on utilise souvent des mots négatifs. C'est vrai? Absolument. Je vais te donner juste un exemple. Merci beaucoup, madame, pour cette entrevue. Et tu me répondrais, pas de problème. C'est vrai! Ce mot-là, pas de problème, les gens l'utilisent constamment. Mais c'est un mot négatif. Mais c'est... Oui, puis il y en a plein d'autres que cet auteur-là nous donne. Il nous reste une dernière minute. Quel mot
voudrais-tu nous laisser pour terminer l'entrevue? Trois mots. Trois mots. Bon, attitude, on a le contrôle de notre attitude. Enthousiasme, oui. Se rappeler que c'est une énergie du transport divin. Et motivation, parce que dans le mot motivation, il y a deux choses. Il y a un motif, puis il y a une action. Alors, si on veut garder notre motivation, rappelons-nous qu'il faut agir, il faut vouloir changer quelque chose, puis passer à l'action. Bien, ton enthousiasme m'a donné une motivation et j'ai vraiment l'impression que c'est ton devoir divin de communiquer ton plaisir de vivre et ta joie de vivre. Merci beaucoup, Suzanne Lapointe, d'être venue nous voir et nous rappeler que malgré la couleur de nos cheveux et les rides dans nos visages, la vie est en couleur et il s'agit de la choisir et de la voir telle qu'elle. Absolument. Et c'est ce que je te souhaite en vieillissant à toi, Suzanne. Merci, Suzanne. Ça m'a fait plaisir.